Virginie, tu peux apporter la confiture, s'il te plaît? Virginie, est-ce que tu peux apporter la confiture? Merci. Quoi? La confiture? Ah oui, attends, je te la passe, attends. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Rien du tout. Bah, me dis pas que t'as rien. T'as la tête de quelqu'un qui a fait la fête toute la nuit en boîte. Oui, bah tu vois, la fête, je l'ai faite dans mon lit. Ça va pas avec Luc? Ah si, c'est au contraire, ça va super bien. Mais alors, qu'est-ce que t'as? Rien, je peux pas te le dire. Bon? Dis-le-moi quand même. Non, je peux pas te le dire, c'est trop personnel, Annette. Bon, très bien. Bon, si tu veux pas me le dire, c'est que je suis plus ta meilleure amie. Je savais que ça arriverait un jour. Annette! Non, mais... J'insiste pas, t'as raison, ça me regarde pas. Si je suis plus ta meilleure amie, c'est pas la peine. Bon, écoute, d'accord, je vais te dire ce que j'ai. Ah non, mais surtout, ne te force pas! Ce serait ridicule. Je veux pas insister, tu comprends? Tu peux me passer le beurre, s'il te plaît? Bon, Annette, t'arrêtes de faire ta mauvaise tête? Je ne fais pas ma mauvaise tête, si tu veux savoir. Non, bon, c'est vrai, je fais ma mauvaise tête. Tu m'as fait de la peine, je peux rien. Bon, bah écoute, excuse-moi. Bon, je vais dire ce que j'ai, d'accord? Ouais. Bon. Bon, bah voilà. C'est-à-dire que, enfin, Luc et moi, on a décidé de franchir le pas. De quoi? Attends, tu peux répéter, là? Oui, bah écoute, il y a un moment donné, il faut le faire, et je crois que ce moment est arrivé. Mais, attends, mais Virginie, là, mais qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Jean, les filles! Ah, bonjour, Roger. Salut, Annette. Bonjour, monsieur Girard. Ah. Génie. Alors, vous pariez le quoi? Ouf. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Non, non, je demandais à Virginie de me passer le beurre. C'est intéressant, hein? Ah oui, très. Monsieur Girard, oui? Vous entendez pas que Luc pleure? Oui, faudrait peut-être aller lui donner son biberon. Marie est en haut, elle va s'en occuper. Ah oui. Bon. Prends un petit café, merci. Ah bah, attendez. Vous voulez pas que je vous le serve au lit, votre petit déjeuner? Ah non, je non, vous l'apporte, là. Non, non, merci Annette, c'est gentil, mais aujourd'hui, je suis très pressé. Pressé? Qu'est-ce que vous avez de si important à faire? Ah ben, j'ai rendez-vous avec des producteurs américains. Ils sont intéressés par ma série pour les États-Unis. Ah oh, mais c'est génial, ça. Mm-hmm. Oh là là, c'est super. Monsieur Girard. Oui? J'ai toujours su que vous étiez un génie. Merci. Net. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, si vous avez un rendez-vous, alors surtout, faut pas le rater, hein? Non mais Annette, non, mais, je... Eh ben, il faut aller vous préparer, vous faire beau et tout et tout. Ah oui, mais mon café. Vous en prendrez un au studio. Ah oui, non mais mes toasts aussi. Oh, mais prenez cette biscotte, ça suffira largement. Enfin Annette, mais c'est bon pour ce que vous avez, je vous dis. Mais qu'est-ce que j'ai? Je trouve que vous avez un petit peu grossi. Bon. Mais un petit régime, ça vous fera du bien. Non, non, mais Annette, Annette... attends, je... Mais enfin, je... Voilà, j'ai cru qu'il allait jamais partir. Faut dire que t'as employé grand moyen, là. Ah ben, quand il faut, il faut. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Oui, bon, bah, oui, bah, voilà. Donc, le flirt est bien beau, mais c'est pas tout. Mais, donc, Mais Virginie, mais attends, mais je... Bonjour, les filles. Ah, bonjour, Marie. Bonjour. Mais, vous avez vu l'heure qu'il est? Oh, mince, on va être en retard, Annette. Oh, en plus, on a un interro. Oh là là. Bon, bah, écoutez, je vous dépose, si vous voulez, je pars maintenant. Ah oui, c'est super sympa. Ouais, c'est super, ouais. Bon, ben, bah, on y va, alors? Bah, oui. Bah, on y va, ouais. Mais pourquoi t'as demandé à Madame Chérin de nous accompagner? On n'a pas pu parler. Mais écoute, on était trop en retard, il fallait se dépêcher, Annette. Ouais. Viens. Bon, enfin, qu'est-ce qui te prend, Annette? Eh ben, t'étais en train de me raconter ce que t'avais décidé de faire avec Luc quand Madame Chérin est arrivée dans la cuisine. Ah oui. Bon, je te disais que le flirt était bien beau, mais... Salut! Je ne vous dérange pas, j'espère. Salut Isabelle, salut Jean-François. Si, justement, tu me déranges, tu voudrais pas aller embêter quelqu'un d'autre? Oh non, justement, c'est toi que j'ai envie d'embêter. Et tu sais bien que tu es mon souffre-douleur préféré. Oui, après Jean-François. Ah bon? Jean-François, tu penses vraiment être mon souffre-douleur? Non, Isabelle. Au contraire, tu es vraiment très sympa. Hein. On a vraiment raison de dire que l'amour sera aveugle. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais à traîner dans le couloir?
C'est pas toi qui disais que c'était carrément nul de traîner dans les couloirs? Oui, mais enfin, ça dépend pourquoi. Ah bon, parce que t'as une raison spéciale? Eh oui, il paraît qu'il y a un nouveau prof de philo en terminale et qu'il est super mignon. Attends, il est vieux, il a au moins 35 ans. Oui, enfin, tu sais, moi, la différence d'âge, ça ne me dérange vraiment pas. Ouais, mais enfin, c'est dommage pour toi parce que je l'ai vu sortir. Quoi? Il est parti? Mais Jean-François, je t'avais demandé de le surveiller. Bah, excuse-moi, Isabelle, mais je l'ai pas vu sortir, je sais pas. Oh, en plus, il est aveugle. Bon, bah, maintenant, dépêche-toi, hein. Débarrasse des pots de colle en moins de deux. Enfin, maintenant qu'elle est partie, alors raconte-moi. Oui, voilà, je te disais que Luc et moi, on a décidé... Salut, les filles. Vous êtes déjà là? Oui. Marie nous a déposé en voiture. Ouais, mais c'est pas cool, il y a les garçons qui vous attendaient à la cafette. Oh, mon Dieu, on a oublié complètement de les prévenir. Oh, bah écoute, c'est pas grave, on les verra tout à l'heure. Bon, t'as rien à faire? Bah, si, comme tout le monde, là, tu vois, j'attends que ça sonne. Bah, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu veux, Virginie et moi, on discutait. Oui. Oui, je vois, donc je gêne, quoi. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais tu comprends. Les discussions de filles, c'est peut-être pas très intéressant. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bon, bah, je vais voir si je trouve Géraldine. Attends, qu'est-ce que ça dit, là? Je te fais marcher. Ça ne marche pas, il court. Bon, je pense que maintenant, on va pouvoir être tranquille. Oui. Alors raconte. Non, oh, mais c'est pas vrai. Il faut qu'on aille en cours. Pas avoir l'air d'être désagréable, mais c'est toujours les mêmes qu'on attend. Oui, alors toi, ça va, ne rajoute pas. Je vais te dire, elles ne perdent rien pour attendre. Viens, je dis à mon tante quand elle va arriver. Je déteste attendre. Oh, mais un peu de patience, elles vont arriver. Attends, mais je rêve. Tu les défends, toi, maintenant? Bah, entre filles, faut bien s'entraider. Ah, je vois ce que c'est, le MLF, Mouvement de Libération des Filles. Oh, ça va, hein. Entre garçons, vous entraidez bien, non? Oh, un petit peu. Ça fait une demi-heure qu'elle devrait être là. Je sais pas que ça à faire, moi. Oui, et ben arrête de pleurer, les voilà. Oui, ben tu vas voir. Bonjour tout le monde. Salut. Salut, ma chérie. Excuse-moi, je suis en retard. Mais non, c'est pas grave. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Il est complètement guéri. Je comprends pas, je vois pas Annette. Elle est pas venue? Ah, bah non, elle a été collée. Quoi? Bon, ben pourquoi? Parce que le prof l'a surprise en train de me parler. Oh, bon, voilà. Ah, vous continuiez votre conversation de tout à l'heure? Ah non, non, pas du tout. C'était pendant l'interro. D'accord. Je suis célibataire, alors. Oh, mais écoute, arrête de faire cette tête-là. Elle sera là dans un quart d'heure. En tout cas, moi, j'ai de la chance. J'ai la mienne. Non, mais surtout, vous dérangez pas pour nous. Eh, hey, c'est ce qu'on fait, hein. T'inquiète pas. Eh, hey, y a des hôtels pour faire ça. Bah écoute, mon vieux, on fait rien de mal, ok? Bon, bah alors un petit peu de pitié pour les copains, quand même. Alors ça, pas question. Sympa, non, sympa. Ça va, Géraldine, t'es bien? Oui, c'est très confortable. Tu sais, Géraldine, mes épaules sont beaucoup plus confortables que celles de Jérôme. Hein? Ah oui? Oui. Oui, Jérôme, je peux te voir 30 secondes? Bah, si tu veux, y'a pas de problème. Ça y est, des messes basses maintenant. Bon, bah. C'est pas des messes basses, j'ai quelque chose à dire à Jérôme, voilà, c'est tout. Bon, je reviens à plus. Tu sais ce qui serait bien, Géraldine? Non, quoi? C'est que tu m'embrasses comme la dernière fois. Mais t'es fou! La dernière fois, c'était juste pour en être jalouse. Ouais, ben je disais ça pour plaisanter, de toute façon. Bon, ben, on va y aller, hein. Oui. Mais vous allez où, vous, maintenant? Ben, si on te pose la question, tu dirais que tu sais pas. De plus en plus sympa. Ah bah ben, tiens, de toute façon, tu vas pas être seul, regarde qui arrive. Salut. 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 Ah non, mais je suis folle de rage.
Bon, ben nous, on y va, hein. Mais vous allez où, vous? Tu demanderas à Joël. Bon, tu préviendras Roger et Marie que je rentrerai tard ce soir, d'accord? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, Annette? Rien, rien. Tout va bien, tout va bien. Alors pourquoi t'arrêtes pas de marcher de long en large? Pour rien. Enfin, j'ai un peu mal aux jambes. Alors le médecin, il m'a dit que c'était bon de marcher quand on avait mal aux jambes. Alors je marche. Tu veux que je t'aide, ma chérie? Non, bouge pas. Annette va le faire. Hein, quoi? Bah, tu vas bien m'aider à mettre la table. Oui, oui, bien sûr, oui. Virginie, je vous ai bien dit qu'elle ne mangeait pas avec nous. Bah oui. Bah, pourquoi vous mettez quatre couverts alors? Oh bah, par habitude. Virginie t'a dit où elle allait avec Luc? Quoi? Je te demande si Virginie t'a dit où elle allait avec Luc. Non, non, elle ne l'a pas dit, non. À mon avis, ils doivent se faire des gros câlins. Pourquoi vous dites ça? Oh là là, oui. Ah, tu te souviens quand on avait leur âge? Nous, on allait au cinéma pour être tranquille. Ouais, enfin, ça a changé depuis, vous savez. Mais n'empêche qu'on s'amusait bien. Ah oui, ça, on s'amusait bien, ouais. Ouais, c'était le bon vieux temps, comme on dit, c'est ça? Et au fait, Annette, pourquoi vous n'êtes pas allée avec eux, Joël et toi? Comme ça? Ah, ça y est, j'ai compris. Vous vouliez les laisser en amoureux, Luc et Virginie, c'est ça, hein? Ah, tu te souviens de toutes les petites escapades qu'on s'est faites tous les deux? Ah, si je m'en souviens. J'y vais. Salut. Jérôme? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est nous qui l'avons invité. Entrez, Jérôme. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Bah, sympa de m'avoir prévenu. Bon, vous voulez te faire la surprise? On l'a fait venir parce qu'on va appeler Justine à Los Angeles tout à l'heure. Comme ça, il pourra lui parler. Ah ouais? Ouais. Bah, ça a pas l'air de te faire plaisir, Annette. Oh, si, si, ça me fait plaisir, non mais... Je pensais que Monsieur Gérard n'avait aucun secret pour moi. Mais arrête de faire la tête. Bon, je vais chercher le numéro, hein. J'en ai pour une minute. Ne restez pas debout, Jérôme, asseyez-vous. Merci. Madame Gérard. Oui. Vous trouvez pas que ça sent un peu le boulet? Ah non. Si, moi je crois, hein. Vous devriez aller voir à la cuisine. Parce que vous savez, le roast beef trop cuit, c'est vraiment pas bon. Bon, mais puisque c'est toi qui me le dis, ben j'y vais. Jérôme, mm-hmm. Ça tombe bien que tu sois là. Il faut que je te parle. Ah bon? Je suis vraiment très inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà, j'ai peur que Virginie et Luc fassent des bêtises. Des bêtises? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Quel genre de bêtises? Ben... Oh, je sais pas si je dois t'en parler. Oh, puis si je suis trop inquiète. Ben voilà. Virginie, ce matin, elle m'a dit que... Elle voulait franchir le pas avec Luc. Ouais, je comprends tout, alors. Tu comprends quoi? Non, ben pourquoi Luc m'a demandé de leur prêter ma chambre ce soir. Quoi? Bah oui, c'était à la café tout à l'heure, juste avant qu'ils partent. Et tu leur as prêté? Bah bien sûr, enfin, quelle question. Annette, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais les empêcher de commettre l'irréparable, enfin. Et puis, oh, j'espère que je vais pas arriver trop tard, sinon j'espère qu'ils ont utilisé des... Enfin, des quoi? Ben, des préservatifs. Ben, où elle va? C'est une super idée d'avoir demandé à Jérôme les clés de sa chambre. Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça fait du bien de se retrouver un peu seul. Surtout que c'est beaucoup plus tranquille que la cafette. Tu sais, je t'aime très fort. Tu crois qu'on a pris la bonne décision? Mais oui, t'inquiète pas. Tu sais, ça compte beaucoup pour moi.
Et pour moi, tu crois que ça compte pas? Si, mais je veux pas faire ça pour m'amuser. Attends, mais moi non plus. C'est sérieux? Écoute, arrête. Fais-moi confiance, tout se passera très très bien. Ah non, on n'ouvre pas. Hein. C'est peut-être un ami de Jérôme. Ah non, mais ça je veux pas savoir, on n'ouvre pas. Mais ouvrez-moi, je sais que vous êtes là, ouvrez-moi, c'est moi. Mais comment elle a su qu'on était là? Bah, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on fait, on ouvre? Bah, je sais pas. C'est moi, j'ai pas tellement envie d'ouvrir. Mais ouvrez! Jérôme m'a dit que vous étiez là. Il y a quelque chose dont vous avez absolument besoin. Mais je sais que vous êtes là, il y a de la lumière sur la porte, ouvrez-moi! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, écoute, laisse tomber, elle va bien finir par se lasser. Mais vous allez m'ouvrir, oui! Elle va me la faire la tête pendant un mois, au moins. Mais pourquoi? Tu es là, toi? Pas moi, hein? Mais ouvrez-moi! Il faut absolument que vous preniez vos précautions, enfin! Arrête de penser à elle. Oh, oui, mais t'as vu le bruit qu'elle fait, c'est difficile. Ah, laisse tomber, elle va bien finir par se fatiguer. Hein? Bon. Ils veulent pas m'ouvrir. Ben, ils l'auront voulu. Tiens. Regarde, qu'est-ce que je te disais? Elle en a eu assez? Ah, c'est bizarre parce que ça lui ressemble pas d'abandonner si vite d'habitude. Non, mais je rêve, tu vas pas te plaindre. On est enfin tranquille. Au fait, d'ailleurs, tiens, on en était où tous les deux? On en était là. Ouais, je crois que tu as raison, ouais. Je m'en souviens maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas vrai, elle est passée par le toit, ouvre vite! Tiens, c'est bon, je te tiens. Complètement folle, Annette, mais t'es folle! Ça va pas, non? C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Elle s'évanouit. Mais enfin, Annette, t'es complètement folle. La gouttière est pas du tout solide, t'aurais pu te tuer. Oui, je sais, oui. Bah, t'es vraiment inconsciente, oui. J'ai encore le tournis. Bah, écoute, ferme les yeux. Quand je les ferme, c'est encore pire. J'ai l'impression que j'ai la terre qui se dérobe sous mes pieds. Eh ben, t'as qu'à le laisser ouvert. Vous vous rendez pas compte, vous... Je viens de découvrir, j'avais le vertige. Quelle idée aussi de marcher sur les toits au sixième étage. Oh là là, c'est horrible d'avoir le vertige. Mais si vous m'aviez ouvert la porte, ben, ce serait pas passé comme ça. Ah non, mais dis donc, tu vas pas commencer à nous culpabiliser non plus. Tu pouvais pas attendre, on a quand même le droit d'être seul, non? Oui, c'est vrai, écoute, quand t'es avec Jérôme, y'a pas de déranger, Annette. Mais écoutez, c'est pas la même chose. Ah, c'est la même chose. Si on est venu chez Jérôme, c'est pour être tranquille. Oui, ça je sais. Ah, tu pourrais respecter la vie privée des gens. Mais écoutez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui, alors là, j'espère que c'est très, très, très important. Bon, bah, puisque t'as quelque chose à nous dire et que t'es là, bah, dis-le nous. Bon, et ben voilà, c'est que... Bon, écoute, Annette, ma patience a des limites, hein. Mais me parle pas comme ça. J'ai encore la tête qui tourne, moi. Attends, mais ça, c'est qui encore? Me regarde pas comme ça, moi, je sais pas qui c'est. J'espère que t'as invité personne, Annette, hein. Oui! Ah, c'est toi! Oui, excuse-moi de vous déranger, mais voilà, je cherche Annette, vous l'avez pas vue parce qu'elle est partie comme une folle de chez les Girard et. Oui, eh ben écoute, elle est là. Vas-y, fais comme chez toi. Bah, enfin, Annette! Qu'est-ce que tu fais allongée sur ce lit? Bah, tu vois, Annette, elle a voulu imiter les chats et donc elle a grimpé par la gouttière. Quoi? Mais t'es complètement fêlée, t'aurais pu te tuer! Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Tu devrais pas être chez les Girard? Mais si, mais enfin, t'es partie comme une dingue, là. Alors ils m'ont envoyé te chercher, ils savaient pas où t'étais, ils étaient inquiets. Ah, s'ils savaient ce que tu as fait, ils seraient furieux, Annette, hein. Mais écoutez, moi j'ai fait ça pour la bonne cause. Mais attendez, parce que là, moi je comprends, mais alors vraiment rien du tout. Ah, moi non plus, là. Bah voilà. Je voulais vous empêcher de faire une bêtise, c'est tout. Attends, là, je comprenais rien, mais là je comprends de moins en moins. De quelle bêtise veux-tu parler, Annette? Moi je crois que j'ai compris. Oui, enfin, on a décidé de se fiancer, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on avait décidé de franchir le pas. Mais comment de vous fiancer? Bah oui, se faire une souris en tête à tête pour se dire qu'on allait se fiancer, bah, officiellement. Tu veux le dire l'un à l'autre? Bah oui, c'est quand même le plus important, non?
Ah non, si tu me l'avais dit, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Mais j'ai essayé de le faire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Ça va être de ma faute maintenant, c'est pas de ma faute, moi, si tout le monde nous a interrompus toute la matinée. Bon, enfin, t'aurais pu attendre que je te l'explique aussi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu t'es imaginé? Rien. Absolument rien. En tout cas, je peux vous jurer une chose, c'est que plus jamais de ma vie je remonterai à cette satanée gouttière. Ah, jamais. J'espère, parce que j'ai pas du tout envie de ramasser les petits bouts d'aneth étalés partout en bas de chez moi. Et en tout cas, si M. Gérard a besoin d'une cascadeuse dans Un mort toujours, on lui dira où la trouver. Ah non. Alors ça, non, tu vois, je préfère laisser ça aux professionnels. Oh, mais je suis sûre qu'avec un peu d'entraînement, tu seras parfaite, Aneth. Et moi, je trouve que t'en es bien sortie. Arrêtez de me parler de ça. Ça commence à me donner le tournis. Bon, alors ça y est, finalement, vous êtes fiancée? Eh ben non, avec les aventures d'Aneth, on n'a pas eu le temps de... Enfin, en fait, ça serait bien si tu pouvais nous reprêter ta chambre. Ah, mais quand tu veux, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a, Aneth? Ça va pas? Si, ça va, mais... J'ai la tête qui tourne. Bah attends, mais t'es toute pâle, t'es toute blanche. Non, elle est toute jaune, ouais. Oui, enfin... Je sens que je vais être malade, là. Ça va pas du tout, là.